J'ai couru. Mais c'est lui, c'est le chauffeur. Ils sont venus. J'étais en bien mauvaise posture. Ils sont venus. Ah, merci pour l'amour du ciel. Merci beaucoup. Merci, madame, avec vos cheveux d'or. Merci. Vous êtes des envoyés de Dieu. Exactement. Oui, c'est alors. Vous êtes venus au bon moment. Les dieux qui acclamaient. On a entendu des filles. On s'est dit, on peut pas laisser les gens comme ça. Pensez pas à rester, on m'a pas compris. Eux, ils ont pas chinois. Vois pas, ils pas chinois. J'ai la nôtre. Mais qui sont vous tremblés avec ça, vous? Bah, nous l'avons. Nous, vous êtes shérif? Non. Oui, enfin, on est imbécile, si, on est shérif. Mes respects, shérif, mes respects. Mes respects, oui. Oui, d'ailleurs, tous à genoux, là. On est shérif, vous mettez tous à genoux. Ah putain, vite à genoux, les. Ah bah, non, attendez. Ouais, tous à genoux. À genoux, la femme, là. Tous à genoux, voilà, voilà. C'est bien. Allez, maintenant, touche debout. Bah, ok, monsieur shérif, je peux être votre assistant. Oui, allez, toi, chinois, t'es mon assistant, j'avoue, voilà. Et puis, toi, tu seras sa gourgandine. Allez. D'accord. Et toi, tu seras le prêtre de leur mariage. D'accord. Ah ouais. Allez, d'accord, parti, moi, avoir femme, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, sa femme. Gentil. Shérif, est-ce que je peux être le maire de cette fille, s'il vous plaît? Très bien. Fais le bisou, fais le bisou. Très bien, vous êtes viré, shérif. Ah, merci pour le bisou, elle est gentille, elle. Monsieur Lee. Oui, elle est très docile, la femme, elle est gentille. J'ai perdu le pouvoir. Comment t'as? Donc toi, si t'es viré, entre autres. Ouais, bon, les deux, vous me filez vos comptes, allez. Bon. De quoi? Comment ça, perdu le pouvoir? Non, commence pas, Peter. Si, vous me filez vos pompes. Attends, si. Venez, monsieur le shérif, je dois m'entretenir avec vous dans vos bureaux. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, oui. C'est votre jour de chance. Attendez, ils ont l'air d'être bien équipés, ces jeunes-là. Oui, j'ai fermé à clé. Ah merde, ça va pas être, comment dire, c'est compliqué là. C'est pas beaucoup, oui. On va ici. Faut pas qu'ils nous voient. Merde. On faut qu'on se barre, non? Je vous vois. Ouais. Il parlait pas de nous, hein. Bah oui, alors là, je vous disais qu'en fin de compte, ça c'est le problème. Moi, je suis shérif, vous savez, de cette ville. Alors, en tant que shérif. Est-ce qu'on peut rentrer boire un café à l'intérieur, peut-être? Ça prend combien déjà? Oui, mais on a perdu les clés, monsieur. C'est moi qui ai perdu les clés. C'est moi qui est responsable. C'est moi assistant, mais j'ai perdu les clés. Oui, c'est vraiment. C'est pas de chance parce qu'on a perdu les clés. Oui. Donc, on va revenir, on va dans le comité, dans l'institution de shérif. Vous savez où est-ce qu'on les avait perdu les clés? On les aurait pas perdus, espèce d'idiote. Déjà, tu vas baisser d'un ton. Attention. On pourrait peut-être. C'est toi qui vas baisser d'un ton, hein, chevalier blanc de mes couilles. Ferme ton gueule. Shérif ici, alors c'est. Respecte le shérif. D'accord. Voilà. Bon, vous savez quoi, messieurs? Non. Vous allez enlever vos pompes et vous allez nous dire à qui. Vous pas donner ordre, monsieur, à votre homme de pouvoir, s'il vous plaît, monsieur. Elle est à nous, la charrette des prisonniers, je vous le jure. Tu files tes putains de pompes. Allez. Comment ça se fait que tes putains de charrettes des prisonniers? Parce qu'on nous l'a donné, parce que nous sommes des shérifs. Rangez. Voilà, écoutez, rangez tout ça, voilà. Bonjour, petit, viens là, s'il te plaît. Excusez-moi, vous n'auriez pas à manger? Ah oui, on a faim. C'est pas beau de demander ça maintenant, voyons. Ah ouais, voyons, on va vers la charrette de prisonnier. Allons-y. Mais moi, je veux vraiment leur pompe, un premier degré. Pourquoi il parle de degré, hein? Un degré, hein, dans la géographie, c'est mathématique. Prenons tout droit de Blackwater, mais d'ailleurs, où sont nos chevaux? Mais qui a mangé mon... Qui a mangé mon cheval? C'est quoi ça? C'est reparti les mecs, la boucle. Eh ben dis donc. C'est pas mal, vous voulez nous la racheter? Non, bah écoutez, pas trop non. Ah, c'est en bon état, monsieur. Il y a quelques impacts, mais ça a été bien, c'est bon, ça marche bien, ça. Comment c'est quoi ce bordel? Normalement, on n'a pas besoin de voir ça. Bon, on vous laisse, ça, c'est cadeau, allez. Vous êtes gentil. Souvenez-nous, monsieur. Ah, moi, je m'appelle Jonathan, je m'appelle Lintoa et Pili. Quoi? Ouais, appelez Lee. Monsieur Lee, vous m'appelez Monsieur Lee.
Monsieur Lee. Et vous, mais vous mademoiselle, avec quoi vous êtes douce, hein, Franklin Maudit, seul, premier du nom. Tessie. Franklin. Oui, c'est Tracy. Enchanté, Tessie. C'est gentil, ça. Tracy. Ça fait longtemps que vous habitez ici. Tracy. Tracy. Elle arrête, Tracy. Oh, joli. Il est drôle. Il est drôle. C'est drôle. Oui, c'est bon. Espèce de petit sac à purin. Ah, monsieur, sur votre tête, c'est la boue ou c'est votre couleur, le noir, là? J'espère que c'est boue. Ah, c'est bon. Il faut pas l'emmerder, oui. Regarde-moi ce bouffon, hein. Il est tombé dans pomme. La puissance de la Chine. Allez, fuck you, toi. Il faut pas dégainer si on n'est pas capable. C'est complètement... J'en ai marre. T'as, c'est bien, monsieur Madison. Vous dansez bon. Bien. Mais on se sauve la vie, quand même. Ah, il danse le Madison. Oh, il est agressif dans ses gènes, le noir. C'est bon. Arrêtez, non. Ça n'a plus aucun sens, putain. Dans le chapeau. Mais non, mais pas vous. Pas encore. Et va casser. Non mais Pete, t'enchaînes le mauvais déjà. Allez, maintenant on arrête. Bon ça. La puissance de Chine et de Shanghai. Bon, allez, par là-bas, voilà. Oh, c'est bon. Voilà. Doucement, beaucoup gentil, on arrête. Messieurs, petite question, qu'est-ce que vous pensez de Valentine? Mais nous sommes shérifs, donc c'est une très belle ville. Non, arrêtez de me prendre pour un con, s'il vous plaît. Expliquez-nous, parce que nous, en passe de venir de shérif, nous avons une mission devant de votre supérieur ici à Valentine. Et nous, on va amener ça pour preuve. Il nous dit amener Ous, mais pour mettre Ous, il faut mettre cache. Nous, on va amener cache pour Ous. Voilà. Ous de cache? Cage. La cage, ça c'est cage. D'accord. Ça c'est pour Ous. Nous, après de venir shérif ici pour vous aider, vous. Vous savez que cette ville appartient au Muller. Oh, Muller, oui, mais ce sont eux qui nous ont dit c'est l'homme à la tortue, c'est ça? Ouais. Exactement. Oui, mais c'est lui qui nous a donné cette mission. Voilà. Un croisement humain-ours, je pense, du coup. Ah. C'est l'étape suivante, c'est sûr. L'homme au spa, c'est l'homme au spa. Il connaît ça. Non, exactement, le saint de saint cul aussi, ouais. Il est terrible, celui-là. L'homme au spa. Non, mais c'est ce qu'ils font, en fait, le Muller, il fait des expériences. Non, ça va, il joue bien, hein, pas bouclède. Pas bouclède, les gars, pas bouclède. Bouclède ou pas, les gars, dans cette. Qu'est-ce t'en c'est parce qu'il l'a dit. Parce que vous êtes un croisement entre une femme et une chienne, bon sang. C'est comme ça qu'il l'a dit. Non, bah alors là, par contre, c'est beaucoup trop. Mademoiselle, c'est bon, vous calmez, mademoiselle. Allez, lâchez-la. Oh, j'avais beaucoup force. Voilà. Bah oui, bien sûr, ça fait beaucoup fort. Bah oui. Mais moi aussi, ça fait beaucoup fort. Mais pourquoi elle est agressive, la femme, là? Eh ben parce que. Parce que pourquoi tout le temps t'es agressif? Ah, vous pas parler comme ça, machina. Moi, mon personne, sacré. T'as compris, hein? Fuck you! Toi, fuck you! Bon, calmez-vous, s'il vous plaît. Ça n'a plus aucun sens. Ok, on se calme. Bon, nous nous présentons quand même, bien évidemment. Oui, vous êtes qui, vous, c'est vrai? La famille Wolfson. Non, toi, t'es qui? Ah, vous, pas shérif? D'accord. Alors, c'est bon, on peut faire. Vous êtes gentil, d'accord. On est pire que les shérifs. C'est pas possible. Bah, c'est des cons, les shérifs. Ah, ben, vous dites quelque chose d'intelligent, vous. Ouais, ça fait plaisir. Nous, avoir croisé femmes là-bas, ils sont méchants, pas des malines. Vous, gentils, vous êtes... vraiment bien, les femmes ici. La blonde et rousse, vous êtes gentils, j'aime bien. On n'est pas des gogantines. Exactement. Vous allez pas pleurer. Oh, ces femmes, j'ai besoin de chevaliers blancs pour m'aider. À chaque fois, j'ai les femmes là-bas ailleurs, ils sont comme ça. C'est chiant. C'est moi, par contre, attention. En l'occurrence, c'est nos sœurs, donc c'est un peu un comportement logique de notre part, en fait. Exactement. Non, pas logique, parce qu'elles, femmes avec beaucoup de vigueur, elles sont vraiment solides. Ouais. Solides sur appui. Elles n'ont pas besoin d'aide de vous. Oui. Bah, c'est pas toi. Moi, je préfère respecter femmes, femmes bonhommes. Qui a c'est le caractère le plus important. Il faut laisser la femme. Cas, ce qui est sûr, c'est que notre famille, la famille Wilson, nous, on s'entraide beaucoup. Oui, et j'en ai rien à foutre d'être un putain oui. de chevalier blanc. Bah, en fait, c'est dans les deux sens. Hein. Le ciel nous sort exactement. De la merde, des fois, en fait. Non, mais moi, ce que j'apprécie, c'est que quand je parle à une femme, la femme puisse parler en échange et que ce soit pas un homme qui intervienne. Voyez-vous ça, c'est marrant parce que vous le dites à nous. Évidemment. Eh bien, on se parle. Oui, eh ben c'est voilà, ce qu'on a dit. C'est très bien, c'est ce qu'on veut, nous. T'es tombeur, pas comme ailleurs. Regarde, c'est différent. Vous, gentil, vous, c'est bien, vous.
Bonjour, professeur Miller. Ce sont mes chéris. Avec ne leur manquez pas le respect. Ah, putain. Ah, mais c'est nous, vraiment vos chéris. Mais oui, nous sommes vos chéris, bah oui. Vous avez vu, monsieur Lee, nous sommes les chéris. D'ailleurs, monsieur le chef des chéris, nous avons quelque chose à vous montrer. Allons-y, venez. D'ailleurs, je vais vous parler. Vous savez que vous nous avez demandé de capturer un ours. Ouais. Alors, nous n'avons pas encore l'ours, mais nous avons trouvé sa cage. Ouais, vous avez chopé ça où ? Putain. nous l'avons chopé quelque part. Quelque part, monsieur, mais c'est bon, bon matériel. Il y a un peu d'impact, mais... Je vous aime déjà. Mais non, il a kiffé ce qu'on a fait. Je vous aime. Putain, une cage. On va pouvoir faire bosser des gens dans les champs avec, je vous le dis. Il y a 100 fois un mec qui accepte notre RP. Et un chef des shérifs, j'espère que ça sera pas un ban derrière. Il est gentil, cet homme au sport. Est-ce qu'on pourrait parler ensemble maintenant de notre poste de shérif? Bonjour. On doit faire respecter la loi ici. Hein. Beaucoup, il y a des vagabonds ici. Allez, j'espère que ça va nous mener. Ça veut dire que son action génie a mené à ce qu'on devienne shérif. Ça serait énorme. Ou alors je suis naïf. Je vais être naïf ou pas là? On est shérif ou pas? Vous avez fait quoi en petit manif? C'est à vous que vous avez volé la charrette? Ah oui, enfin, en quelque sorte. En fait, il nous est arrivé des petites sottises, et puis on a dit, bah non, c'est fini, il n'y a plus de sottises qui peuvent arriver. Oh. Qu'est-ce qu'il me veut? Je veux te mettre dans le bouillon de soja, toi, hein, petit chien. Allez, venez. Ah, c'est ici le bureau de... Donc le mec s'amuse bon, à faire ça. Bon, des testicules de loup, hein, je vais les dégreffer, hein, c'est pas possible. Ah, vous pouvez donner après, moi manger, c'est bon, t'as beaucoup bon goût. Bah attends, je te le fais comment? En roast beef ou quoi? Ah, je veux mettre, j'aime bien sécher, après je mets dans vapeur, je le conserve avec moi, après je mâche comme ça le couille. Ouais, parce que moi je te le dis, hein, nombre de fois que j'ai perdu des chiens à cause des gens comme toi. Non, c'est ça, tes chiens, mieux. Ah, j'ai qui lui? Ah monsieur, nous sommes en entretien. T'es foutu au shérif, monsieur. Vous voyez pas déranger. T'as du quoi toi? Bah attends, j'arrive. On est en entretien. Pas déranger. Allez, toi, direction sortie. Mais ici, c'est chez moi, mon petit gars. C'est chez lui. Ah, j'ai pas à savoir, moi. Ok. Bah non, mais vas-y, Loulou, rentre. On se permet, hein. Oui, bah allez-y, permettez-vous. Allez, on va les ramener toute la ville. On va entendre tous nos entretiens. On fait la bar mitzvah de monsieur Lee. Ouais, bon, monsieur le shérif, je m'excuse pour les patates. Je pense qu'on va se faire baiser. Je crois qu'on va pas l'avoir, le rôle de shérif. Je sais pas, on va voir. Alors, t'es bon, on peut commencer? Silence derrière, bon Jean. Ça, c'est de l'art de s'imposer. Vous êtes un leader né. J'espère qu'ils connaissent. Ils... Oh, monsieur, je vous laisse expliquer la situation. Hein. Ah oui, on nous allait backwater. Après, monsieur, il y a une femme. Et je comprends pas. Il arrive comme ça, il fait la loi. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Après, selon il pile. Un chevalet blanc, il est venu. J'ai fait fuck you. Et en fait, j'ai fait diversion. Et on a pris. on a pris le truc. Le cash. Bon, là, un peu con, t'es shérif. Mais non, ce sont des... Mais en fait, quoi, pour dire ça en des termes un petit peu plus compréhensibles... Ouais, hein, c'est pas bien expliqué. Attendez, on a été capturés par des shérifs de Blackwater parce qu'apparemment, on était un petit peu trop charismatiques pour eux. Alors, ils nous ont mis dans cette petite cage, ils nous ont fait sortir et ils nous ont dit de partir. En nous demandant de partir, ils nous ont tiré dessus et l'un d'eux a fait tomber son chapeau. Alors nous, on a profité pendant qu'il a fait tomber son chapeau pour prendre la cage et partir avec. Ben mais c'est bien oui, mais... On les a bien eu, on les a niqués. On n'avait peut-être pas de revolver, mais on a pu dégainer. Ben vous êtes fin, les mecs. Ben... Ah ouais, il s'est passé quoi? Un cavalier blanc, vous dites? Oui, après dans la ville, avant ça, oui, il y a femme là-bas, j'ai pas compris. Pourquoi les hommes, ils la défendent? Ils laissent pas parler femme. Ça m'a fuck you. Ouais, ben, je vous explique, hein. Nous, chaque fois qu'on va à Blackwater, on va dans un bar. Et je vous le dis, hein. Là-bas, vous parlez mal à une femme. Vous avez 50 mecs derrière vous après. C'est insupportable, ça. Et je vous le dis, les shérifs, ce sont les pires. Ce sont les pires salopes. Oui, on a eu affaire justement aux shérifs. Du coup, vous avez ramené une charrette? Putain, bien joué, mec.
C'est beau, au mérite d'être. Ça, c'est cadeau, hein. C'est Mac cadeau Mac du Walter personnel. C'est Turtle, Walter Turtle, oui. Monsieur Turtle. Il arrive bientôt parce que au moins on pourra vite prendre notre poste. Ouais, ouais. Bah oui, oui. On m'a fait régner loin. Pour le matériel, ça va arriver. C'est une commande que j'ai effectuée. Le bureau, je suis en train de le rénover. Ah, c'est bien ça. Et voilà. J'espère. D'accord, vous... notre bureau, oui. C'est où alors? C'est là-bas? Ouais, c'est là-bas. C'est là, là, là-bas. Ok, c'est noté, monsieur, monsieur le shérif. Eh ben, monsieur Lee, il vient d'Amérique. Non, c'est une blague, bien entendu, vous l'avez reconnu. Ah, moi, j'avais la Chine. En Shanghai. J'étais à Hangzhou, Shanghai. Aujourd'hui, gentil. Ah, pareil. Eh, vous verrez. Hein. Monsieur Walter. Et les petits chinois là, qui ont un resto, comment ça s'appelle, à Saint-Denis? Ah, vous voulez faire un resto? Ah, je connais pas, moi, là-bas, la foutre, fuck you! Eux, ils travaillent comme des chiens! Moi, ici, moi, avoir pouvoir pour avoir s'en sortir, les chinois, meilleures conditions! Bah, c'est chez Amérique, mon petit gars, Amérique. C'est Amérique, ah, mais moi, américain, chinois, mais Amérique avant tout! Exactement, d'ailleurs, je le dis, grâce à cette cage, on va pouvoir, trouver des petits ramasseurs de coutons. On a quoi? On a trois fouets. T'as c'était bien dit, ça, voilà, voilà. On a des fouets, vous le dites. Sans les fouets, Walter. S'il veut, t'en finis déjà. Mais il est sérieux, lui, mais c'est niqué le RP. Il m'a coupé un doigt avec tellement que ça fouette. Michelangelo, il a niqué. Il respecte rien, ce bâtard. On va faire de grandes choses, en chambre, je vous dis. On a plein de talents cachés en nous, il n'y a plus qu'à les découvrir. Bah, moi aussi, vous avez vu. Bon, bah, c'est spécial. Bah. Ah, vous savez, petite étoile, pour nous, pour ce soir, avant d'aller dodo. Comme ça, nous, ils vont respecter nous. Exactement, mais... Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont chopé une charrette à cage, là. Les shérifs de Blackwater. Parce qu'ils nous ont parlé de vous avant, les shérifs de Blackwater. Ils ont fait, bah, oui. C'est quoi vos petits gars, shérifs et tout a fait. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils sont pas rentrés dans les détails. Hein. Mais j'étais en colère contre vous. Ah, quand ils vont voir, nous, avoir pouvoir. Ça va être drôle. Nous, avec les cavaliers blancs. Ah, bonne de... Ouais, oui, ça pullule partout. Nous, on n'aime pas ça. Blackwater, il y a une grande concentration. Faites attention. Ouais, on a vu ça. Il serait temps qu'il fasse le ménage là-bas. Oui, mais Alden, fréquentez Jenny Baker, vous allez voir, vous allez voir. Il faut de la bouffe, il faut de la bouffe. Attends, Jenny Baker, c'est pas le médecin là, l'espèce de petite connasse là, qui m'a pas soigné. Non, c'est celle qui gère le salon de Blackwater, mais c'est une connasse, je vous le dis. Ok, c'est noté. Si on la voit isolée dans les bois, on va s'occuper d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Même pas besoin, il y a des rumeurs qui circulent. 2,50, vous pouvez la monter en haut. C'est pas le médecin meuf là qui fait casse-couille? Non, parlons un peu plus. Non, mais regardez-moi ça. J'ai la bande, c'est quoi? C'est la compagnie créole ou quoi? L'autre ressemble à Wolverine, la Tortue Ninja. Trois mariages déjà, t'arrêtes les connards. L'autre, on dirait le capitaine Crochet. Après, on peut faire d'autres types de mariages, si vous voyez ce que je veux dire. N'importe quoi. Quel challenge. Je sais pas, monsieur lui et moi, nous sommes ouverts à tout type de propositions. Écoute, j'aime trouver une bonne gonzesse. Oh. Après, moi, le chinois, il peut m'intéresser quand même. Ah, vous voulez faire plein chinois avec soja? Ok. Avec plaisir. Je veux amener ma soeur, ma femme. Ma femme, elle veut. Bon, c'est qui ces deux-là? Trois. Non, mais ça, c'est quoi ce bordel? Vous allez pouvoir toucher femme. Présentation, là. Allez, un pas. Eh oui, mais par exemple, alors bon, j'ai Franklin, Madison, notamment, mon nom, c'est pour mon nom et mon prénom. Regardez ce qu'il y a derrière. Franklin et mon nom, c'est Madison, voilà. Je suis content d'être ici, et puis voilà. Viens avec moi, Walter, j'ai une question. Ah, moi, c'est YP, YP Lee, Mr. Lee, m'a venu de Shanghai, je suis gentil, m'a cuisiné bien, beaucoup, bon goût. Et j'aime beaucoup les animaux, hein. C'est beaucoup gentil. Ah bah comme tu le vois, on a un loup, on a un élan, on a un peu de tout, hein, je te préviens ici. Ouais. Ouais. Une tortue. Ah mais ça c'est pas manger, pas manger, ok, pas manger. Les chats et les chiens les préservent ici, espèce d'enfoiré. Ah, petit enfoiré, c'était pas nécessaire, mais pas grave, c'est pas grave. Mais c'est normal, c'est normal. Excusez-moi, depuis qu'il va plus
dans la cave avec son oncle. Non mais attends, mais c'est quoi cette bande de trolls, les mecs? On me dit que je suis sérieux, regardez les mecs, regardez les gars, la bande que je... Il y a des règles de respecter en tant que shérif. Oui. Première, si vous faites attraper un michaud par nous, extérieur à la ville, on ne l'aura pas, vous assurer, je vous le dis. Ça va être compliqué par vous, hein. C'est des problèmes. Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, nous, on est des hommes très responsables. Et la deuxième, il me tue, le loup à droite. Le problème avec ça, les gosses. Le loup, il me tue, regarde avec sa gueule. Je vous le dis. Quoi, les gosses? Alors, parce qu'on a eu des soucis avec les gens qui les disparitions de gosses dans la région. Ah, le petit Tommy, là. Bah, le petit Tommy, ouais. Non, mais je préfère ça, Hydro, je préfère ça. Enfants. Non, justement. Ça me rassure qu'il y a des gens comme ça. Je peux pas les trouver, tu dis à Tommy, je connais pas. Vous tenez à l'écart, je vous le dis. Vous tenez à l'écart de ces histoires. Et bon, vous connaissez un Tommy, vous, non? Ouais, je vais mourir, les gars. Non, voilà, ben voilà, c'est très bien. Enfin, avoir essayé sur le cas du petit Tommy, on a toujours pas trouvé le mec. Oui. Mais bon, en tout cas, aussi on a une liste de gens à casser la gueule et à faire chier. Parce que je vous explique, on a repris le contrôle de Valentine il y a 2 jours. Il fait un grand discours. Mais c'est officiel, ça, je vous êtes reconnu, vous avez des papiers, vous avez des contacts. Mais évidemment, on a un bureau de chef. On a le bureau de chef. Écoute, les shérifs ont essayé de revenir pour essayer de nous dire oh, stop les mecs, arrêtez. Ouais. Ils ont pris 4 cartouches dans le cul, ça a été vite vu. Ah, ça c'est bien fait ça, bien joué ça. Ok, d'accord. Nous, être avec vous alors. Bah, vous savez ce qu'on va faire, mes braves. Je sais rien. Yo, Frouti, t'as raté le live. Vos histoires. Mais nous, si vous nous donnez de quoi protéger cette ville, avec vous, on la protégera. D'accord. Jusqu'à la mort, moi pas avoir peur. C'est un grand tonnerre, ça. Si vous nous dites qu'il y a des personnes à aller voir, à aller remettre dans le droit chemin, on le fera également. Monsieur Lee et moi, on en a vu des choses. On en a vu des choses. Alors maintenant, vous avez juste à nous donner le matériel. C'est un homme respectable. Et on le fait. J'aime beaucoup à vous. Vous êtes moi aussi un machinois malade. Moi, pas avec moi. Moi, je me fracasse. Aïe, j'ai mal. Ouais, dis-moi, j'ai mis 3 jours à le retaper. Oh, tu te calmes. Non. Bordel. Bon, on va se présenter. Hein. Du coup, Walter Turtle, chef du bureau des shérifs. Moi, Stretcher Muller, grand docteur, hein, je te le dis, renommé international. Bah, celui qui va changer c'est moi le président du district. Ouais. Si tu veux $500, tu me dis quel animal tu veux, je te arrive des cornes, ce que tu veux. Bah oui, d'accord. Et vu que, bon, pour le chinois, il doit en avoir une petite, hein, j'ai du stock, hein, s'il veut. Oui, vous savez, elle n'est pas si petite que ça. Ah, c'est pas petit, mais tu sais, c'est petit, mais un peu large. Non. Mais alors, Walter, rappelle-toi hier soir. Il va écrire qu'on est pédé. Ouais, il a ici, ils ont plus que vu la mienne, hein, je vous le dis. Ah, vous vous regardez aussi. Ah, nous aussi, nous, on aime bien se regarder tout nu. Bah, c'est pour les fans après. Quand t'en fais douche, c'est pour la médecine, c'est pour la médecine. C'est pour la médecine aussi, oui. C'est pour la science. Ouais, pour médecine, pour laver, c'est pratique d'être tout nu. Bon, je vous explique les gens que... C'est déconné, non ? La liste qui sont ennemis à nous. La liste noire, voilà. Oui, la liste noire, c'est dans les champs de coton. Exactement. Bah, c'est une très bonne initiative. Il y a un bateau qui va arriver. Je le prends comme s'il arrive, voilà. Eh ben, j'ai bien. Alors, William Riggs, maire de Lausanne, c'est le maire d'ici, logiquement. C'est un connard notoire. Avant. Vous avez carte blanche pour lui, vous lui faites ce que vous voulez. Vous dites c'est pour Valentine, s'il va comprendre. William, comment? Riggs, c'est le maire. William Riggs. C'est le maire, faut noter ça. Attendez, je note. L'ancien maire, c'est actuellement maire de Saint-Denis et Rhodes. Mais souvent à la mairie de Saint-Denis. Y'a qui d'autre, les jeunes? Je m'en réfléchis. Notre connard, là, qui gère le dispensaire. C'est mieux que les autres, déjà, Iloki. Au moins, on peut développer un truc. Ah oui, le dispensaire. Ouais, O'Neill. Monsieur O'Neill. O'Neill. Et là, et sa femme, là, comment elle s'appelle? Je sais pas, une pute aigrie qui casse les couilles. Ouais, les deux. Je peux vous dire, ils font la paire. Et faites attention à Montiglio aussi, hein. Attendez, vous avez dit, c'était tout ce qui s'en a pris de l'air. Allez, shérif, go, shérif. O'Neill. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce O'Neill? Bah, c'est le directeur du dispensaire. Gold shérif, là, putain. D'accord, il faut lui faire la tête au carré également. Ouais, putain, j'avais déjà été shérif, les gars, avec Eddie Larouille, c'était bien.
Mais non, justement, bah non, mais non, les armées, c'est après. Vous qui allez ouais, vous équiper. Exactement, exactement. Bah, on va vous équiper, vous inquiétez pas. Du coup, on aura fini, hop. De Scofield, hein, c'est parfait. Attention, c'est le chariot, hein. On pourra vous envoyer sur les trucs plus loin, après, je vous le dis. Ouais, on est prêts, on est prêts. J'aurais fiché un pompe comme moi. Et bon, je vous explique les règles dans le comté quand vous serez shérif, on vous expliquera ça. Mais déjà, Shiruki, banni, tout ce qui est natif et tout, banni, vous en faites ce que vous voulez. Je suis un peu bon, j'ai un peu fonché. Ah, bah, c'est bien ça. Ah, vous nous rejoignez nos idées, hein. C'est beaucoup mieux. Ensuite, la liste noire. Ben, les noirs, bon, ça dépend lesquels. On a besoin de travailleurs. Ouais, quand même, hein. Oui, alors, oh, ouais, je pense qu'on peut faire un consensus là-dessus. Les noirs, oui. Mais du moment qu'ils sont toujours un petit peu soumis à nous, qu'ils nous disent bonjour en premier, qu'ils nous disent merci même quand on les frappe, qu'ils nous disent des choses gentilles quand on leur dit des choses méchantes, des choses comme ça, tout simplement. Un seul qu'il ne faut pas toucher, c'est un petit noir avec un drap blanc sur l'écran. Là. Ah, Abramson. Donc, faut pas, ouais. Anderson Abramson, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un bon noir, ça. Non, pas lui, je m'en bats que lui. Ah oui, le noir avec un espèce de un espèce de torchon blanc sur le crâne. Ouais, sur le crâne, oui. Un torchon, d'accord. Le gars, il s'est vraiment bien tout en noir. Ok. On vous le présentera au pire. D'accord. Et vous avez voilà, qu'un son, quelque chose? Pardon? Non, bah, nous n'avons pas de chevaux, mais c'est pas grave, vous en trouverez. Bah, il y en a beaucoup ici, mais elle doit les emprunter. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment une arme. On a une arme et puis on peut tout faire, hein, je vous assure. On une arme et un lasso. Ouais, juste ce qu'il nous faudra après. Ouais. Le reste appartient à l'histoire. On va vous trouver un pétale ici demain. D'accord, c'est gentil ça. Ouais, jusqu'au fil. Mais attention, là on file un pétard, c'est du sérieux. Vous êtes pliés à la vie, là, je vous le dis. Il va falloir faire les tenues aussi, hein, je pense, mais. Ben, après, c'était ça. Avec une petite tenue. Oh, ouais, j'ai une belle tenue. Non, il va faire j'ai des points de tenue du shérif ici. Ah, pourquoi en tenue, c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Je trouve qu'il est très mignon, quand même. Il y a quelqu'un qui se fait prendre derrière le comptoir de Saint-Denis, tu vois. Eh ben, alors. J'ai pas encore été lui. Il faut le casque, il faut le casque. Je suis le casque que Walter. La bœuf, là. Il faut le même casque que Walter avec le même carapace. Walter va changer, je vais leur montrer. Va tuer, j'ai montré. Retire ta carapace, merde. Tu vas transpirer là-dedans. Putain, il faut le carapace. Ouais, c'est le carapace, il me tue l'autre. C'est comme ça qu'on les reconnaîtra. Non, ouais, je récupère deux et mon trolley. Mais ouais, putain, merde. Vous entendez, Sam, il a peut-être un nouveau rôle à jouer. Je le trouve pas. Mais c'est lié, le parrain bleu. Sophie là. Je réfléchis. Y'a qui comme connard encore? Je réfléchis. Hein, allez, ceux qui parlent avec. Ceux qui parlent comme ça là. Les Mexicains. Oui, ça on aime beaucoup ou pas beaucoup ici? Bah, moyennement. Très d'accord, moyennement. D'accord, c'est les pirates, bien ça. Les pirates, putain, j'ai oublié ces enfoirés. Bon, quand vous voyez un chapeau en forme. C'est la gonzesse qu'il nous faut. En forme de triangle. Bah, ouais, écoutez. Choupez-les et ramenez-les. Vous voyez. C'est bon, l'hystérique, c'est l'hystérique, vous allez la reconnaître. C'est des chambroges souvent, ils sont brogés un peu noirs, des fois. On vous ramène la femme, on l'attache, ok. C'est ça. Ah, c'est bien ça. Elle s'appelle Mendoza. Il y en a deux, Esperanza Mendoza. D'accord. Il y a un homme avec des cheveux longs, on dirait une femme. Ouais, avec des cheveux bref, blonds. Bref, tout ce qui a un tricorne, vous ramenez toutes les femmes. Il y en a une, sous 27 degrés. Il y en a une, c'est pas être dans le HEP, je vous le dis. Mais t'es con, c'est de faire ça. Moi, je vous le dis. Mais hydrate-toi au moins quand tu sors, idiot. Écoutez, moi ça me va très bien ce que vous me dites là. On est prêt à faire tout ce qu'il faut avec Monsieur Lee. Et si vous nous accordez la confiance, on le fait. Le salaire, ouais. C'est quoi bah, le salaire? C'est bénévole pendant une semaine. Période d'essai, après. Du moment qu'on a notre arme et de quoi manger, on fera du beau travail. Putain, il faisait chaud chez vous. Il faisait combien chez vous? Il faisait chaud chez vous, les gars, dans le chat ou pas? On va voir les gonzesses, c'est tout pas. Non, je suis sorti tout à l'heure. Au moins, vous passez 200$ par semaine. Hein. On s'en fiche de ça. Nous, ce qu'il faut, c'est remettre des idées. Des idées dans le bonheur. C'est maximum 20$. Oui, bah, on s'en fiche. Ah merde, Forêt Giver, tu m'as fait un don, j'ai même pas vu. Je suis désolé, gros. Merci beaucoup. Ah oui, aussi. Faites attention.
On est vraiment détestés, nous. Merci beaucoup, Forage, désolé. Non, une sale réputation. Merci pour le don. Donc, comme si monsieur Lee et moi, nous étions adorés par on est avec eux ici, chez nos cœurs Valentins. Le peuple de Valentins nous adore. Hein. Par contre, tous les pédés de Saint-Denis, les pédérages, tout ça, je sais pas. Mais faites attention. Vous aimez pas pédé? Vous aimez pas pédé? Ah, si, si. Ah, d'accord. Non. Non, il y a les bons pédés, il y a les mauvais pédés, tu vois. Il y a ceux qui sont là pour les pédés. Il y a ceux qui sont là pour... Ah, d'accord, t'es compris. Mais, tu vois, si ton pote, tu as vu, il en manque. Peut-être que tu le dépannes, ça, c'est pas grave. Mais si, tu viens carrément, tu le suces en public, là, tu sais pas. Ah ouais. Pas possible. Ah, ça, c'est mauvais pédé, ok. D'accord. Ouais, c'est mauvais pédé, exactement. Mauvais pédé, exactement. Bon, écoutez, mais bah, je crois qu'il n'est pas mal, il faut mieux se revoir demain. Ah, d'accord, ah, oui, nous on se représente bientôt ici, on fait quoi alors? On attend demain? Ou on fait vous ce soir? Rien de lettre. Vous avez rien de lettre. On demain... peut faire une cérémonie hein? Ouais, on fera une cérémonie. Ouais, on peut faire une cérémonie. Ah, aussi, comment. Aussi. S'il y a un shérif. S'il y a un shérif de. Comment ça s'appelle? De Louzen, qui vient ici, envoyez-nous une lettre. Envoyez-nous une lettre. On vient, on vous les chope. C'est bon, c'est un peu compliqué pour vous, je pense. Ou à moins que vous en chopez un comme ça, hop, en cellule. Et vous en faites ce que vous voulez dans la cellule. Ah non, mais de toute façon, je et vous les faites enlever sur la cellule aussi. Les cellules sous les combles. Vont utiliser, ce sera certainement les montagnes du Nord. Ah, dans le Tour de France, ça commence quand là Parfait. Mais un poteau, ça y est, tu vois, un poteau. Et c'est vrai, oh, une potence. Oui, mais la potence, c'est de bon trop de préparatifs. Non, je vous dis, par moment, les laisser dans la neige, c'est bien plus amusant. Alors, vous parlez, chef, de Blackwater, on peut récupérer. Je peux tout faire avec ce bâtard. Ok. Bah, je peux tout faire, ah, alors, ça c'est bien, vous avez entendu, monsieur Madison. On va prendre une voiture. on va en isoler quelques-uns. T'en ramènes ici. Je commence à beaucoup aimer ces gens, ils sont gentils. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Bon, très bien. On se retrouve dans ce cas-là demain, ici. Vous nous donnez notre équipement, et puis on refait. Bah, quelle heure vous êtes là? Oh, je sais pas, moi, quelle heure merci, on est là. Je suis pas là, moi, je suis en live. Bah, vous m'envoyez une lettre. Stretcher Muller. Bon, j'ai des affiches un peu partout, vous verrez. Stretcher Muller. Muller, ok. C'est noté. Je vais chercher en pleine Tivanie un peu partout, alors bon. Ben, vous en faites pas, nous assurer votre protection, nous sommes liés maintenant comme des frères. J'y arrive pas jusque là, mais oui, on peut dire ça, oui. Oui, bah, pas vraiment ressembler vous, mais gentil, c'est amitié. Amitié Chine avec vous. Par contre, hein, pas touche à mes trois filles, hein. Je vous préviens. Non, si vous avez trois filles. Ah non, pas touche à mon fils unique. Hein. D'accord, ok, pas problème. Ah, pas problème, pas problème, c'est normal. C'est normal. Bon, bah, tu es le gamin. Très bien. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Et puis, on vous enverra un télégramme. Putain, ils peuvent te laisser sortir, Frouti, mais t'as pas de bracelet. Bon, au plaisir, monsieur. Merci, bon soir, monsieur. Beaucoup, bonne nuit. Ah, ils sont gentils. Enfin, je désespérais de rencontrer. Moi aussi, j'avais beaucoup désespéré, mais eux, ils m'ont donné goût à la vie et surtout à tuer les gens. Vous vous rendez surtout à Blackwater. La possibilité de nous venger. Putain, contre c'est énorme. Les shérifs de Blackwater, contre les shérifs d'Armadillo, nous allons c'est pouvoir énorme. Enfin faire souffrir comme ils nous ont fait souffrir, monsieur Lee. C'est fantastique. Oh oui, je me sens tout léger. Oh là là. Vous êtes un peu fatigué. Vous avez besoin de petit dodo maintenant. oui, c'est vrai, oui. Bon, en tout cas, monsieur Lee, je vous fais encore un plaisir et je dis à très bientôt. Pour notre vengeance. Oui, ça se marche comme sur des roulettes. Bien joué encore pour le chat. Vous avez sauvé vie, moi. C'est normal, monsieur Lee. Quand on voit jusqu'à où nous en sommes arrivés ce soir, je serais prêt à le refaire des dizaines de fois s'il le fallait. J'en doute pas.